Alors on est reparti dans la partie de Stellaris, donc on était en guerre avec... Ragnar avait attaqué la Telmar Hégémonie ainsi que le Grand-Duché Ophimuth, et on était en train de leur rouler dessus. Microphone activated. System survey concluded. Oh non, pour l'instant c'est bon. Allez putain, je suis à 35K. Mais tu sais que tu peux les cons avec les enclaves marchandes, tu peux les Ouais, je transformer sais. en autre chose, hein. Ouais, mais de toute façon, y'a rien, hein, je suis un peu bloqué donc. Bah si, tu peux faire la flotte fédérale, hein. Comment je fais pour dépenser? Qu'est-ce qui m'insulte là? Union of Chabol. Ok, cool. Oh, level 6. Donc du coup maintenant vu que j'ai le truc de domination, eux, bande d'Asura, on va les vassaliser. Microphone activated. Commencing planetary incursion initiative. Par contre, du coup, c'est ch... Ah, si, c'est là où il y a des...
Planetary incursion initiative successful. Construction project concluded. Y'a des mecs qui m'ont parlé d'une forteresse, ça vous parle aussi ou... Non. En même temps, j'ai jamais ce qui est écrit, donc... L'ordre des curateurs, là, je papote avec eux. Et ils me parlent... Forteresse énigmatique. On a des dévoreurs stellaires aussi dans le bordel. La dimension de l'horreur. Dreadnought automatisé. Oui, Dreadnought et Là, c'est chez nous. Hein. Ouais, Dreadnought c'est moi. Et il y a le, il y a un monsieur, j'ai aussi vers chez moi une Psionic Entity. Y a quoi? Psionic Entity. Je peux leur poser des questions sur le bordel. Ça me coûte à chaque fois 1000 ou 2000 d'énergie, mais j'en ponce tellement que. System survey concluded. Another day, another scientific breakthrough. Microphone muted. Alors, du coup. Of both, why not mes chers? On va prendre ça quand même, parce que la bouffée baisse petit à petit. System survey concluded. Alors... D'accord, on a des trucs très adaptatifs. Okay. Thank you.
déplacer dans le coin. Bon, en tout cas, il faut au moins 30-40 coeurs. Alors, du coup, il va falloir aller envahir les planètes qu'ils ont pas envahies. Receiving transmission. C'est Nico que j'ai envoyé une de commerce. Microphone activated. Oui, je pense. En plus, moi, ça rend content ma faction scientifique, donc c'est très bien. Moi aussi. Après, j'ai plus des factions de narc que des factions scientifiques, mais ouais. Alors, attends, on va communiquer avec les autres. Donc, on disait. Microphone activated. Le Dreadnought. Alors, le Dreadnought. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Donc, dès qu'on aura une flotte suffisante, on ira lui péter la gueule. Et on fera salut, au revoir. Microphone muted. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas améliorer toutes les fermes hydroponiques, le but c'est juste d'améliorer que celles qui en ont entre guillemets besoin. Alors, je peux les payer pour qu'ils me disent. Putain, j'ai un bug. Et je vais garder mon pognon pour les premiers cuirassés. Enfin, le mien. Oui, c'est bon, j'ai pigé qu'il était attaqué. Microphone activated. Oh merde, ils vont me spammer de CN Ship under attack. Ah, ils me rendent fou, je me fais spammer de attaque. Alors, pour l'instant, comme j'ai pas mal d'influence. Tu veux spammer de quoi? Science ship under attack! Science ship under attack! Science ship under attack! Voilà. Ouais, moi j'ai le mien qui était arrivé dans le Grand Duché. Et il y a une station qui a été reprise et du coup il s'est enfui. Je sens que je vais le retrouver de l'autre côté de la galaxie. C'est frustrant. Par contre, sa capitale, elle va bientôt tomber. Alors, on va faire ça et on va faire des labos de recherche ici. Allez, ferme ta gueule avec ton CN Ship Manor Attack, bordel. Alors. Voilà. Non. Bon, là, c'est une histoire d'avoir une chaise de plus. Alors, oui, je disais. Voilà, et un robot. Dreadnought. Activated. On peut payer les curators. Où c'est? Ah, alors moi j'ai un truc. 5000 crédits, ils disent comment tu peux le détruire. Incoming transmission, tout ça. Je sais pas, j'ai un truc. Transmission entrante, décodage de la transmission spatiale automatisée, établissement d'une matrice de traduction. Tu prends le premier fragment, je prends le deuxième fragment. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a? Je prends le premier. Ouais. Ok. Alors, nous sommes les les architectes du réseau des portails galactiques. Si vous recevez cette transmission, nous ne pouvons que vous qui n'êtes pas trop tard. Peut-être l'une de nos belles. Ah, des réplicateurs. Ouais, en fait, là, c'est les mecs qui sont de l'autre côté des portails qui sont en train de nous dire qu'ils se sont isolés pour se protéger des réplicateurs. Vous voulez que je prenne le fragment 3? Ouais. Ouais. Pour ceux qui ont pas regardé Stargate, les réplicateurs, c'est des petites machines qui cherchent à buter tout ce qui bouge.
Et mais après, quand même, je répète, ne restaurez pas l'accès au portail de nos amas stellaires. En aucun cas, une connexion stable ne doit être transformée entre la et le reste de la galaxie pour l'avenir de la civilisation. Oh, ok. Ah, mais en fait, on peut prendre les, on peut tout prendre. Hein. On peut prendre les Ouais. trois trucs. Ouais. Donc en fait, il faut peut-être mieux éviter d'aller chez eux, quoi. Pour l'instant, ça a l'air de ressembler à ça. Bah, ça m'a surtout balancé des armées de 28K un peu partout dans mon empire, quoi. Ah ouais? Toi, ils ont débarqué direct là? Ah ouais, ils ont débarqué direct, ouais. J'ai Ah le ouais, même non, mais message chez que moi Nico. aussi en fait, là, j'ai perdu 3, j'ai perdu des systèmes. On est partout là. Oui, t'as du 28K chez toi. Oui, pareil. Qu'est-ce qui nous a ouvert ces portes là? Parce que. Merci Kilou. Oh, moi j'ai. Non, 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 c'est pas moi, hein. Moi pour Moi j'ai l'instant pas j'ai fini. rien. Bah, Il du rentre coup. dans un système, c'est instant, hein. Non, Ouais, j'ai des étoiles qui ont spawné derrière chez moi. Ah oui. il y a des gruyères partout là. C'est la merde. Bon, bah, moi je Merci, rentre. j'ai perdu les systèmes. Voilà. Et c'est pas là où il y avait les Hellgate, justement, où c'est Si, si, c'est là qu'ils ont Si. popé. Ouais, c'est là qu'ils ont popé. Ouais. Ils ont pris le système direct et tout. Donc, ils sont en train de me choper une. C'est pas cool. Mettre 500 ans plus à rentrer. À quoi que je rentre, moi j'ai 28, c'est 28K, je peux rien faire. Bah, justement, on est à plusieurs. On va les péter Ouais. à plusieurs. Là, il faut qu'on fasse ça. On n'a pas le choix. Donc on commence par moi parce que je suis premier sur la route. On a 28K? Ouais, carrément, ouais. Moi Bah, j'espère, il y a. Par j'ai une flotte de 7. contre, je viens de capter qu'il y en avait chez Telmar. Donc faut les esquiver, ceux-là. Ah si, ça y est, j'ai 28K chez moi. C'est quoi le délire de quoi? J'ai pas compris. Ah oui, un truc qui a beaucoup mieux chez toi. Voilà. Ouais, on est dans la mouise. Il faut qu'on se rassemble et enfin, Il y qu'on a arrête la plusieurs guerre et trucs qu'on peut qu'on se pêcher vous barre. là en fait. Faut qu'on arrête la guerre, surtout. Leur batterie. Oh, j'ai une fois qu'il est disparu. Hein. Pas cool cette histoire. Ah bah j'ai ramené sinon ma 12. Bon, j'ai une flotte de 5,8K, vous De toute façon, il y en a au milieu de chez eux aussi. Construction project concluded. Par contre, j'ai perdu une de mes grosses flottes, c'est quoi ce délire? Non, t'as dû perdre la flotte fédérale, ce c'est Kilou qui a dirigé. Ouais, la flotte fédérale, c'est moi qui l'ai récupérée. Oh. C'est moi le patron. Commencing planetary incursion initiative. Et on sait où Alors, t'as leurs armées? bah écoute, tu me suis, Dob, on va se rejoindre à. On se regroupe à Hardoct, ou je sais pas quoi là, ou à Ishug directement, tant qu'à faire. Ah, ils sont en Langage train de me parle-moi défoncer. avec tes planètes. Ishug. Idria? Ishuk, ok. Ah, en plus, ils sont en train de s'étendre, les connards. Mais qui Ah, s'est ouais, cassé ça ça? s'étend, ouais. Ouais, ils se déplacent, ils s'étendent et tout. Bon. Oui, ils s'étendent. Ils sont entre toi et moi, Nico, pour le moment. Ouais, j'ai vu, je suis en train de. Moi, je suis heureux de vous annoncer qu'il y en a trois chez moi. Je vais peut-être. Ouais, faire la paix vite. Faire le statu quo parce que sinon Ouais. on va pas y arriver là. J'ai essayé de les arrêter à Farim, du coup. Ça fait un statu quo qui t'a rapporté plein de trucs. Bah, du coup, ouais, parce qu'on avait grappillé partout quoi. Bon, du coup. Eh hey, putain, vous avez vu Telmar où il s'est installé, le fils de pute? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, je pense. Non, je Grave, pense. d'un coup. Je pensais qu'il avait il avait colonisé entre deux trucs à nous. Du coup, tu veux qu'on envoie les troupes où, Kilou? Bah, pour l'instant, de toute façon, ce qu'il y a de plus près. Guidra? Ouais, vas-y, on va aller à Hydra. Du coup, vas-y, on change de Construction direction, project concluded. Dob. On va où là? Hydria.
Quel où ça? C'est chez moi, oh, Rogue, sur la route pour aller chez toi. Rogue, t'as pas t'as besoin d'aide, toi? Tu peux mettre un... Ah ben, avec l'armée que j'ai, il est en train de me nettoyer, ouais, là. Du coup, je sais pas. On va bah, j'avais une Elgate, il a popé en plein milieu. Ah oui, d'accord. J'ai ma capitale qui a été engloutie d'un coup. Si tu regardes Hurricane Black Hole en bas, en fait ils ont popé là, ils ont pris le système à côté, celui-là, puis ils sont en train de rentrer là. Ils sont en train de remonter. Ils sont en train de bombarder une de mes planètes là. Ouais, on va s'occuper de toi d'abord. Hein. On a assez chez toi quand même là, parce que la flotte fédérale il y a 4600. Moi j'ai pauvre. 7. Moi j'ai 7K. Moi j'ai 6K. Oui, 6K. Est-ce que ça sera possible de le changer, ça? 28, je pense qu'on aura, on aura même pas 28 à nous tous. Hein. Si. Ah, et putain, en plus, c'est pas du petit bout, c'est pas du petit vaisseau de merde. Hein. Le problème fondamental. On se dirige chez toi, Nico. C'est qu'on va avoir beaucoup de mal à venir, en fait, les taper chez toi. Ok. Oui, ça va être gênant cette histoire. Ça va se voir. Pour chez Rogue là, on n'a pas 28k, hein. On n'a pas 30k, 40k. Hein. Moi je crois que je meurs dans 10 minutes, j'ai plus d'empire. Et bah finalement cette partie aurait été plus rapide pour des raisons inattendues. C'est rigolo quand même cette histoire de d'un coup ça pop de partout. C'était ça en fait les trucs de endgame. Non. C'est pas du endgame là, on est pas endgame. Non, là c'est pas du endgame. Bah si, là ça va être du endgame. Oui, là. Ça va être du... Oui, ça va être du endgame, oui. Ah oui, parce qu'il y a deux flottes à 28k. Il y en a pas deux, Il y en a trois chez moi. Dans notre gueule, ouais. Il y en a une chez moi, il y en a une chez Nico, il y en a deux ou trois chez. Non, il y en a une chez Kilou, deux chez Kilou. Non, il y en a trois chez Kilou. Il y en a une qui est chez moi maintenant. Ah, bon bah ça me va. Bon, donc ah oui, ça... d'accord. Ok. Ah oui, je suis en train de regarder la pluie de bordel. Oh. Ouais, tu ah ouais. Oui. Bah, si vous voulez, on fait la semaine prochaine. Du coup, on fait du CK2, hein. Parce que. Ah ouais. Ils ont. Bon, il faut qu'on y aille par étape et qu'on le fasse. Bon, on s'occupe déjà de Rogue. On est à côté. Normalement, si on... le truc c'est qu'il faut qu'on arrive à se regrouper. Hein. Oh, la question c'est. Les mecs. C'est où le point de rendez-vous? Le point de rendez-vous c'est on s'approche le plus possible des mecs, puis c'est tout. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative. Et puis le cargo c'est plus de la chasse qu'il a. T'as eu tous les bordels qui se. Waouh! Et puis, et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que. Pour passer là où il s'en va, là il est en train d'aller vers Netraxia. Pour aller vers Netraxia, faut faire tout le tour par en bas. Oui, en plus c'est ça. En plus, c'est que vu que tout est en ligne droite, en fait ils peuvent tout te sucrer en moins de deux quoi. Bah ils vont tout me sucrer parce qu'en fait nous on va les talonner et quand on va arriver il y aura plus rien. Ils auront tout nettoyé. Vous connaissez les faceurs? Bah c'est eux. Ah merde, ils sont sales. En fait, ils m'ont regardé, ils m'ont dit t'es content, t'as plein de nouveaux territoires. Ben regarde-les bien parce que tu vas pas les garder longtemps. Putain, la puissance de feu du truc. Le truc qui est gênant, c'est que non, mais c'est en dès plus... qu'il y a un mec qui chope la technologie, pop, tout le monde prend dans sa mouille. Enfin, tout le monde, surtout moi. Ah, moi, il y a ma flotte, la flotte qui est en train de reculer. Ah, parce que c'est une technologie que t'as chopé? Non, c'est un IA quelque part qui a chopé la techno, qui a fait popper la communication avec le truc qui est à côté de chez Tutti. Ouais. Et ce truc là, il a décidé pour se sauvegarder de nous envoyer sa merde. En tout cas, alors moi en tout cas j'ai une flotte qui est en train de reculer, là, celle qui était. Ah non. À mon avis, le mot reculer est pas forcément approprié. En plus, en fait, le problème, c'est qu'en plus... C'est plus le mot fuite. C'est ça. Ils ont un titan, les trucs. Hein. Ah, non, mais c'est... Oh, j'ai envoyé 20k sur une flotte à 28, je l'ai pas tué un seul truc. C'est lui qui... C'est le titan, hein, qui fait tous ses chasseurs, quoi.
T'as vu la masse de chasse qui se balade là où ils sont? Ouais. Bon, ça se trouve, ça va faire comme les Mongols dans, en CK2 ou quoi. Tu peux pas les contacter, ah. Ce jour-là? Bah non. Ah oui, y'a que 6 vaisseaux par flotte. Oui. Ah ouais, non, mais ils se foutent pas de ta gueule, hein. Heureusement qu'il y en a que 6. Parce que bon, moi, si je peux avoir le temps de moderniser. De toute façon, je vais le prendre le temps. Hein. C'est pas comme si on était pressé là. C'est tarif là. On est pas pressé là. Tarif là, on s'en fout. Ah. Oh, du coup, moi, j'ai envoyé une flotte vers Zakaria de Black Hole. Hein. Moi, pour l'instant, du coup, je suis en train de fuir. Mes flottes avec Kilou. Hein. Moi, ma flotte qui a Netratia, la flotte fédérale, je suis en train de fuir avec. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, voilà, fuir. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'instant. Alors, quand on vous dira ne touche pas à ça, petit con, surtout vous appuyez pas sur le bouton. Hein. Ah, là, le truc, c'est qu'avec l'IA, on peut pas vraiment. Et c'est toutes les recherches que Kilo a fait cette merde là? Ouais, j'ai même pas terminé ces foutues recherches de merde là. Arrêtez de me l'envoyer dans la tronche. Je suis à 6 sur 7, hein, essayez toujours. Alors me cassez pas les couilles, c'est bon. Passif, t'accuses pas. Ouais, j'étais à 5. T'es cassé de peu pêcher. Bon, moi, alors, j'ai 24 flottes aussi. Comme recherche là, parce que moi j'ai aucune putain d'idée de. Ah bah elle. Alors, ouais. En plus, le problème c'est que ça aurait été bien que ce soit Dob, le président de la flotte fédérale. Parce que moi je viens d'avoir les cuirassés. Bah. Ah bah. Moi je les ai eu pendant la guerre, mais. Comment tu les vois, tes recherches là, le truc dont vous parlez tous? Station. À combien vous êtes? Bah Battleship, si, ils y sont Nico, hein, je peux... Enfin j'ai pas de thunes mais... On avait déjà des cuirassés. Les gars, vous voyez comment le truc des recherches là, ce que vous dites C'est dans les Situation Log, le L Cluster. Oh là là. Ah non mais là c'est comme quand tu te fais ravager dans CK2 ou dans Europa, ah, tu vois, tu regardes pas ton pays se faire ravager, tu vois. Tu gères tes armées seulement, et tout le reste, ça n'existe même pas. Tu vois, c'est... Moi je vois mon. Bon tu vois la tronche de mon empire là, qui est en train de se faire démonter, tu vois. Tu vois, c'est un truc qui est sympa avec l'Empire de Rêve, c'est que vu la forme de l'Empire, de loin, ça a pas trop l'air de se désagréger, tu vois. De loin. C'est sûr que dès qu'on regarde de près, on se rend compte que c'est la merde, hein. Mais Et bon, on s'occupe de Rogue, mais pour l'instant, c'est celui qui est le... Non, c'est le mieux loti, c'est Dob. Il en a même pas eu un seul chez lui. Dob, il est... Mais quoi? Que se passe-t-il? Ah bon? Ouais, mais... Moi, des recherches, j'en ai fait qu'une sur 7, ça peut pas être ma faute. C'est pas ce qu'on dit. Non, mais c'est quand même pas ma faute. Moi, j'y suis pour rien du tout. Oui, on sait, c'est Kilo. Putain, forcément, toujours comme ça. Voilà. Trop injuste. Mais en plus, le truc, il va pas. Là, j'ai un automaté de Rennote. Il ne va pas sur automaté de Rennote, le truc. Il n'en a rien à foutre. Il va sur tous les systèmes que j'ai. Et en plus, tu peux pas refoutre les pieds dans les systèmes qu'ils ont. Si, si. Moi, ce qui m'emmerde, c'est surtout que j'ai chargé déjà 3 planètes. J'ai essayé d'envoyer un vaisseau de. Mais il trace les planètes, il se passe quoi là? Ouais, il trase tout. Les engloutis, ouais. Elles disparaissent d'un coup. Font boom. Ouais. D'accord. Elles disparaissent pour de vrai, hein, les planètes? Non, non, ah, merde. Non, non, il a pas l'air de les détruire. Non, non, il est vide en fait. Il est rase, ah, oui, quoi. Puis il après, rase tout ce qu'il y a dessus. Nanite World. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est après, elles sont mortes. Moi, mes planètes ont disparu, hein. J'ai plus rien. Hein. J'en ai 4 qui ont disparu, y'a plus rien. Enfin, j'ai plus de planètes. Non, mais si, les planètes elles sont encore physiquement là, mortes, c'est juste qu'en fait elles sont peuplées par des nanomachines. Ah! Mon nanite, c'est vraiment comme dans habilité 0%. Les épisodes de Stargate. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont mangé, et maintenant ils attendent. Ah ouais, bah et nous on meurt. Là, c'est nous.
La planète n'existe plus. Et où c'est que t'avais des planètes, toi, pour que je vois... Hein, de quoi si, non, non. Moi, mes planètes qui sont faites Prime. Sont là. Ah oui, Mondanite. Ah ouais, ouais, mes planètes, elles sont toujours là. Hein. Attends, c'est chez Rêve, ça. Chez Rogue, tu prends sa capitale et tu vas... c'est juste à droite. Obléon. Oui. La deuxième qui nettoie. J'en avais 6 après la guerre, j'en avais 5 juste avant. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça s'appelle comment la planète en question? Ah oui, Nanny. C'était okay. Obléon Prime. Obléon Prime, ouais, je vois ça. Pour l'instant, on n'est pas à ça près, hein. Non. T'as pas construit des trucs sur Fenabanis, tiens, Rogue. J'ai pas construit, bah si, j'avais construit plein de trucs là-dessus. Au pire, Rogue, il te restera Red TX. D'ailleurs, comment ça se fait que je n'ai plus rien sur Fenabanis? Ah, moi, je t'ai jamais vu que quoi que ce soit construit dessus, hein. Jamais. Mais il y avait pas tout ça. Il y avait pas tout quoi? J'avais pas 13, 15, 10, 10, 10 là. Si, c'est une planète que t'as eu par event. Si, tu l'avais déjà fait, Nabani, ça. C'est un système que t'as eu grâce à un event. Bah ils vont arriver les deux chez moi, là. Je vais fuir avec vous, mais... Le mec, il se plaint, c'est... T'inquiète pas, ça... Plains ça... pas, je vous donne l'information. Ça fait mal, mais ça dure pas longtemps. Ouais, non. Oh bah, puis après, de toute façon, tu sais... Hein. C'est quasiment toute la partie avec deux planètes. C'est très joli. Hein. Je suis très content d'avoir déjà mes claims sur June. Cette planète est abandonnée mais appartenait avant à Kibuti. Alors, est-ce que ça va faire comme Tchernobyl, ils vont s'arrêter à la frontière? Ah, chez Nico, ils sont pas arrêtés à la frontière. Putain, la masse de petits vaisseaux qui... Non, ouais, ah non, c'est pas des vaisseaux, ça c'est des missiles, ok. Ah mais c'est super. Ma flotte elle s'est fait intercepter. Ah mais je suis très content. Ils t'ont très content. Bon, désynchronisation. Rogue, ouais. Bon, de toute façon... Ah bah oui, mais Rogue il a plus de capitale, il a perdu sa capitale. Oh, fais ch... Oh, non, il va perdre sa capitale. Oh, c'est pas ta dernière planète, il t'en reste encore une. Du coup, le jeu s'est bloqué sur pause. Il en reste 3. Je relance. Il reste 3 planètes. 4, 3 après celle-là. Du coup, mais ils veulent pas fuir les mecs. Ils ont un look bizarre, tes robots, sur ta. Sur ta capitale. Regardez pendant qu'ils sont encore là, hein, parce que ça n'a pas duré. Allez, hop. Tout en haut. Bon, bah, ma flotte qui était en direction de chez Rogue, elle a changé d'itinéraire. Je sais pas où elle est. Ah, je commence à recevoir des réfugiés dans tous les sens, moi. Ah, ça c'est le problème. Ah, bah ça c'est bête hein, pour vous. Hein. Bah, de toute façon, ça va pas durer longtemps, hein, ils vont se pas vite boucher les mecs, puisqu'ils m'arrivent dans la gueule là. Le système de fuite aléatoire, c'est quand même toujours aussi relou, hein. C'est impressionnant. Et il y a que 5 vaisseaux. Oh, et puis moi, mon vaisseau de construction, je vais jamais pouvoir le faire rentrer chez moi, en fait. Tu veux pas en construire un sur une planète à toi? Si, il m'en reste encore des planètes, heureusement. Putain, sinon... Hop, ça y est, ça a commencé chez moi. Ça y est, yeah. Non mais en plus le pire c'est que tout était dans notre secteur quoi. Ouais. Moi j'ai perdu plus de la moitié de mon empire. Et c'est un peu partout. Hein. Il y a des trous aussi en haut, il y a juste, tu vois, il y en a un peu en haut à droite j'ai l'impression. Oh non, attends, c'est autre chose. Du coup,
T'es en train de déplacer les flottes vers Jasmac. Bah, ma flotte vers Jasmac, vu que l'autre. Ah, bah les Yotbem. Ah, bah c'est bien. Allez hop. Il n'y a plus que la moitié des vaisseaux, mais au moins elle a le chic d'être là. Perek Armada. Le problème c'est que j'ai pas grand chose à vous offrir, mais je vais sur Fungnor. Le problème c'est que j'étais en train de monter une autre flotte là en m'en étant, mais fuck. Ouais, tes flottes elles vont où toi d'ailleurs? Elles vont vers Ragnar ou? Elles descendent là. Ouais, vers Ragnar, c'est ce que tu fais non? Ouais. Ah ouais, t'as plein de flottes en fait toi. Ah, par contre, on peut utiliser les Hellgate maintenant. On peut les utiliser là? Bah, en tout cas, j'ai un vaisseau scientifique qui utilise une Hellgate pour aller dans le petit truc au-dessus de chez Tutti. Ouais, puis c'est vrai que. Ouais. D'accord. Oui, mais il va se faire exploser vite, je pense. On s'en fout, on aura une info. Bah, à mon avis, y a rien en fait chez eux. Hein.